Salut! Eh oui, ce qui devait arriver arriva finalement. Alors, pour résumer la situation, Norman de France Builderall Academy, Norman, c'est un des trois, il avait fait une vidéo pour critiquer le défi 1000 euros, hein, que c'était pas bon, tout ça. Il donnait plein d'arguments. Moi, j'avais un peu de temps libre, hein, donc j'ai fait une vidéo réponse. Même si ça ne me parlait pas à moi, moi j'ai pas le défi 1000 euros, j'ai le défi 1 million d'euros. Donc c'est vrai qu'il ne parlait pas de moi spécialement, mais de toute façon, peu importe, hein, c'est une vidéo réponse. On peut faire réponse à qui on veut. Et donc j'ai fait cette vidéo, j'ai dit 1000 euros en 30 jours, bon plan ou arnaque, défi du million ou 1000 euros, enfin bref, c'est fait pour mettre des mots-clés. Et dedans, je parle de ce qu'il a dit Norman, je reprenais tous ces points qu'il a dit, et je disais que. Et il n'était pas con, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant la vidéo, quand on connaît Builderall, quand on connaît le défi de 1000 euros, on pourrait penser, mais il dit que des conneries. En fait, donc je dis, non, il n'est pas con, mais il est mal informé. À l'évidence, hein, par rapport à ce qu'il dit, tous les points, et je reprenais tous les points, j'expliquais. Donc j'ai fait une vidéo critique de ce qu'il disait. Alors, donc là, on voit qu'il est arrivé, pour mettre un commentaire. Et des petits pouces en bas pour dire non, c'est pas bien. Mais en plus, il me demande, alors le truc, il me demande de retirer ma vidéo. Ça, c'est pas bien, Norman. Je vais pas retirer ma vidéo. Tu vas faire les trucs normaux de te plaindre à YouTube et tout ça pour expliquer que t'es pas content, mais je vais pas retirer ma vidéo, d'accord? Et ça, c'est pas possible. Je fais pas ça, moi. Ok? Alors, il me dit, pété de rire, James Collin. Tu as vraiment que ça à faire. Baver sur nous, et surtout que tu n'es pas concerné, et de plus que tu dis que des conneries. Mais bon, je ne vais pas perdre mon temps à t'écrire. Mais je vais te demander dans un premier temps de retirer ta vidéo, car tu me nommes et tu mets une photo, moi, et ça je ne tolère pas, et je pense que tu apprécierais pas que je fasse la même envers toi. Donc, s'il te plaît, retire-la. Voilà, c'est bien. Conseil amical. Eh ben, ok, ça c'est dans un premier temps. Et deuxième temps, on sait pas, il n'y a pas de deuxième temps. En tout cas, il ne revient pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je bave sur nous. Nous, c'est qui? C'est les trois académies. J'ai pas bavé sur vous. J'ai pas même pas bavé sur toi, en fait. Et je bave pas sur quoi que ce soit. Je réponds à une vidéo que tu as faite où tu expliquais pourquoi c'est pas bon le défi 1000 euros, parce que ça donne une mauvaise image du Builderall et tout. Et moi, j'expliquais que Eric Salgado, le PDG de Builderall, fait la promotion de ce tunnel 1000 euros en anglais. Il en fait la promotion à tel point qu'il l'a mis disponible pour tous les affiliés et qui l'envoie des messages sur Facebook pour dire aux gens alors qu'est-ce que vous attendez pour en faire la promotion. Donc, déjà cet argument, tu vois, mais déjà cet argument, tu devrais dire oui, tu as raison sur certains points, mais pas tous. Là, tu me dis. Et tu dis que des conneries. Eh bien, je t'invite à faire une vidéo et m'expliquer quelles conneries j'ai dit dans ma vidéo. Tu vois, faire un truc normal. Pas faire dictateur à me dire retirer ta vidéo. Si tu veux faire le dictateur, tu t'adresses à YouTube qui va retirer la vidéo. Et tant qu'à faire à Facebook et tant qu'à faire à d'autres plateformes où se trouve ma vidéo, quand je poste, je la mets sur plein de plateformes, je t'adresse à eux. Pour leur demander de faire retirer en donnant tes arguments. Et moi, à ce moment-là, quand je recevrai les plaintes, par exemple de YouTube, moi je vous donnerai mon contre-argument sur le fait que j'ai le droit d'avoir cette vidéo, c'est une vidéo critique. Voilà. On fait les choses simples. Après, tu dis baver sur nous, je bave pas du tout sur vous, quoi. Parce que qu'est-ce que j'ai dit sur vous? Explique. Et surtout que tu n'es pas concerné. Ben moi, je me concerne de ce que je veux, en fait. Donc là, le défi 1000 euros, moi, je défie 1 million, c'est la même chose. C'est des copies du Million Dollar Challenge en anglais, donc, que tu n'as pas mentionné dans ta vidéo. C'est des copies de ça. Donc c'est pareil, tout ça, c'est pareil. C'est un angle, une façon de promouvoir Builderall en le mettant en second plan et en parlant de l'opportunité financière de Builderall, qui est l'affiliation. Voilà, bon. Donc c'était juste vidéo pour dire ça. La réponse de Norman à ma vidéo, et c'est un commentaire. Et un petit dislike ou deux. Bon, il en manque un, quoi, si tout le monde veut participer et me dire de la retirer. Mais ça va pas se faire comme ça, en fait, hein. Il faut employer la façon normale, quoi, pour faire retirer une vidéo. Voilà, c'est tout. Bye bye.